Aujourd'hui, on est jeudi le 5 mai. Je vais commencer un vlog aujourd'hui. Là, je suis en congé. Puis, comme à mon habitude, j'ai commencé ma journée de congé en faisant mon petit ménage, en me préparant. Là, il est rendu 9h15. Fait que, dans le fond, je m'en vais à l'aubainerie. Là, ça rouvre à 9h30. Et puis, après l'aubainerie, en tout cas, je vais faire d'autres petites commissions. Puis, pendant mes commissions, je vais rejoindre une amie. On a prévu passer la journée ensemble. Fait qu'on va faire un petit peu de magasinage. Puis, après ça, on va venir ici. On va faire du sport. On va profiter du soleil. Il fait déjà super beau dehors. Là, fait que. Ça s'annonce être une pas mal belle journée, là, t'sais, du magasinage, puis du profiter du soleil, se faire des petits cocktails, puis boire des cocktails au soleil. Je pense que je vais aller à l'épicerie racheter des ananas pour faire des pina colada. Ah ouais, ça serait pas mal winner comme pour profiter de cette belle journée. C'est ça, je vous apporte dans ma journée. J'ai mis mon petit kit de Oraki avec les leggings botaniques que j'ai été chercher l'autre jour, que j'ai pris sur le groupe de Oraki Deuxième Vie, puis... Mais mes petites sandales du Walmart. On est rendu là, aux sandales. L'aubainerie était supposée d'ouvrir à 9h30. Il est 9h34. Puis, il y a une file d'attente pour rentrer. Ben là, une file d'attente, pas tant que ça, mais comment ça qu'ils rouvrent pas les portes? Moi, j'attends dans mon char, en tout cas. Hello! Je viens d'arriver dans le parking du Winners. C'est mon deuxième place que je viens. Je vais vous montrer les affaires que j'ai achetées à l'aubainerie. Fait que j'ai pris un beau petit maillot de bain comme ça pour Arthur, un One Piece. J'ai aussi acheté des shorts là, sur Shein puis sur H&M, mais je veux quand même avoir un One Piece pour les journées très ensoleillées. Et pour aller avec, j'ai pris comme ce chapeau-là. Il y avait un chapeau avec le même motif, mais il n'y avait plus la grandeur Arthur. Fait que ce chapeau-là, ben, c'est tout mix and match là, les affaires chez l'aubainerie. Puis j'ai pris aussi un petit chapeau beige comme ça pour que ça fitte avec plus d'affaires. Puis il était 10$. Pour dîner, pita au poulet, très garni, chips, tostitos et bloody César. On est vraiment bien. Vas-y, hein? Ah, fait chaud. Rebonjour, fait que là, on est rendu... Fin d'après-midi, 4h15, mon amie vient de partir. Fallait qu'elle aille chercher son gars à la garderie. Là, je vais vous montrer mes petites affaires que j'avais achetées au Winners, en commençant par cette camisole-là que je viens de mettre, là, d'ailleurs. Là. Fait que, petite camisole un peu crop top, mais pas tant que ça, mettons. On dirait que j'avais envie d'essayer ça, les crop top. Celle-là était 12,99, puis j'aimais bien le dégradé de couleur dedans. Sinon, j'en ai pris un Adidas, comme ça. Lui, il est quand même un peu plus court, là, tu sais. Tu vois comment ce qui est fait court là, mais je trouvais qu'il m'allait vraiment bien. C'était un large, puis il était 16,99. J'ai vraiment mal à la gorge là, mais j'ai vraiment une toux là, mais en tout cas, j'ai fait mes tests COVID négatifs. Puis sinon, j'en ai pris un troisième qui était en spécial à 5$, gris charcoal, quand même bien ordinaire là, mais il est fait ça, genre de petite camisole courte un peu sport. Puis avec cette couleur-là, ben, ça va fitter comme avec plusieurs pantalons différents. Sinon, ben, c'est la fête à mon amie, ma collègue Joanie, en fin de semaine. Là, dans le fond, je vais vous les montrer, mais je ne vous dirai pas le prix parce qu'elle écoute mes vlogs. Là. J'ai acheté deux chandelles, puis demain, je vais porter les deux avec une autre petite affaire à job. Puis je vais lui faire choisir la chandelle parce que là, je ne savais vraiment pas laquelle qu'elle aimerait le mieux. Mais moi, je les aime les deux. Okay? Puis ils ont chacun leur avantage. Fait que j'ai pris celle-là ici, que la chandelle, c'est comme une chandelle au coconut. Qui sent vraiment bon, comme un peu sucré, mais que le pot peut être utilisé après comme un pot à fleurs. Là. C'est vraiment un beau petit pot à fleurs, je trouve. Donc là, c'est ça. Je ne vous dis pas combien elle était, mais c'est pas grave. Puis la deuxième est comme un petit peu plus grosse, mais elle est quand même vraiment grosse, OK? Puis elle, l'odeur, c'est
un peu plus masculin comme odeur. Ouais. Quand même que je vous la montre, vous la sentirez pas. L'odeur, c'est patchouli et clove. En tout cas, l'odeur, elle sent vraiment bon, là. Ça sent vraiment le je sais pas, l'eau de Cologne, on dirait. Ça sent vraiment l'homme, là. Mais tu sais, ça sent vraiment bon. Fait que, ouais, demain, je vais y apporter les deux. Je vais y faire choisir parce que là, depuis tout à l'heure, je suis là puis je me demande qu'est-ce que je vais y faire choisir. Fait que c'est ça. Ouais, puis tout à l'heure, finalement, quand on est revenu du Winners, on n'a pas arrêté à l'épicerie parce que on a passé trop de temps au Winners. Puis là, quand on est parti du Winners, il était déjà rendu midi. Fait que là, on s'est dit le temps de s'en venir ici. Là, si en plus, il faut qu'on passe à l'épicerie. Là, on n'aura pas le temps de profiter de l'après-midi, profiter du soleil. Puis moi, j'avais tellement hâte à ma journée de congé pour juste m'étendre au soleil puis rien faire, là. Fait que c'est ça qu'on a fait après-midi. Elle aussi était vraiment contente de ça. On a fait du spa, après ça on s'est étendu sous des chaises longues, puis on s'est fait bronzer. Et puis on s'est mis de la crème solaire pour pas empirer nos petits rides d'expression. Fait que c'est ça. Là, je sais pas quoi dire de plus. Fait qu'on va, je vais aller chercher Arthur à la garderie, puis on va s'en reparler plus tard. T'es content de voir ton chien? Hein? T'es content de voir ton chien? Guillaume vient d'arriver de travailler, puis il est allé chercher de la poutine au casse-croûte Courteau. Ok, on va vous montrer ça. Celle-là est à quoi? Poulet buffalo. Poulet buffalo. C'est du poulet, puis de la sauce buffalo. Puis celle-là, c'est poutine aux côtes levées. Coup de soleil, coup de soleil. On est rendu le vendredi matin. Fait que hier soir, finalement, j'ai comme pas filmé, mais après qu'on ait fini de souper, on a couché Arthur. Puis après ça, je suis allée chez Walmart. Je voulais trouver des petits souliers qu'on y a mis ce matin. Les petits souliers à 10$ du Walmart. C'est que en février, on y avait acheté des souliers chez Chaussures Panda. Là, des souliers Geox à 80$. Puis tu sais, là, ils font encore, sauf que. Maintenant, on lui met beaucoup à l'extérieur aussi. Fait que là, il se ramasse du sable dedans et tout. Fait que là, la fille, l'éducatrice, elle m'a dit que ce serait mieux d'avoir des souliers qui gardent juste pour l'intérieur. Là. Sauf que là, je voulais pas y acheter une deuxième paire de souliers à 80$ pour qu'ils portent juste à l'intérieur. Fait que là, j'étais allée chez Walmart, puis j'ai acheté ceux-là. Puis sinon, j'en ai acheté une autre paire. Hop là. Mais là, eux autres, c'est juste parce que. Il allume de même. Là. Plus de ça, il est en spécial à 13$. Fait que là, je sais, la semelle est vraiment grosse, puis c'est probablement pas bon pour le développement du pied, puis tout. Là. Mais ça va être des petits souliers, je sais pas, là, pour un festival cet été, là, qui allume dans le noir de même. Là. Fait que ça me faisait bien rire, puis il était vraiment pas cher. Mais ceux-là, ont de l'allure, là, tu sais. Ouais, je pense qu'il va être bien. T'sais. Fait que nous, on part dans à peu près 5 à 10 minutes à peu près. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah ben tiens, vu que j'ai le temps, je vais prendre le temps de filmer un petit bout. Mais je m'en vais travailler, puis après ça, fin de semaine de congé. Fait que ben, on se reparle plus tard.
rendu le samedi matin. Fait que là, hier, je vous ai filmé des petits bouts de ma journée, mais en gros, hier, je travaillais. C'était la fête de mon amie Joanie. Puis là, sur l'heure du dîner, on a une autre collègue qui a apporté une grosse boîte de Mr. Puff. Fait qu'on a mangé ça comme dessert au dîner, à job, là. Et puis sinon, quand j'ai fini de travailler, là, on est monté chez les parents Guillaume. Guillaume, il fallait qu'il fasse son changement de pneus, mettre ses pneus d'été. Puis on a passé la soirée là, puis on a soupé là. Là, ce matin, je viens de finir de me préparer, puis dans une heure environ, je m'en vais à la friperie avec mon amie Véro et peut-être Mimi. Puis après-midi, justement, je m'en vais chez Mimi, puis Mimi et Sissi, passer la journée, l'après-midi au soleil chez nos amis, puis souper là-bas. Fait que je vais mettre fin au vlog maintenant, je sais pas si je vais en partir un autre après, je sais pas, là. Mais en tout cas, vu qu'on va à friperie juste dans une heure à peu près, je vais comme... peut-être essayer de faire le montage tout là si j'ai le temps. Fait que c'est ça. Ça va être tout pour ce vlog. Merci d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!